Ok, bah game 1. Ah. Bon bah c'est une game Kaïsa. Pas mal l'ambiance, hein. J'ai jamais build différent. Build différente. Oui, build différente dans une game Darkstar, oui. C'est un mec avec Bis. Avec Bis Kaïsa sur un Malzahar 1, Casta Streak. Pourquoi pas. Zico mon frère. Gnar. Où est-ce qu'on prend une Lulu 2? Je sais pas. En vrai, ça peut être marrant de jouer full enchanteur. Avec Archange. On a Morgana là. Moi j'aime bien. Oh, le double kill. Oh, le vilain reroll enchanteur. On fait tout 3 stars. On met des 10 clos partout.
Question c'est est-ce que ça bat Kai'Sa? Je suis pas certain. En fait, s'il y a aucune unité qui meurt, Kai'Sa elle fait rien du tout. Je fais un blue buff, je pense. Je pense que c'est une game Twin shot enchanteur into Harry. Harry enchanteur. On va jouer Harry avec 4 enchanteurs. Harry Carry et Morgana en 2. Avec genre un Brome ou une Zira, 3 syndicates. Et on va vraiment jouer très tanky genre. Avec Archange c'est broken. C'est vraiment très fort les enchanteurs avec Archange. Et là j'ai Lulu 2 et déjà une Morgana. C'est ok de gagner ce round. Une vilaine Lulu 3 là. J'ai star tier, je suis allé chercher une tier, ça veut dire que je vais peut-être en looter une autre. Non, on va pas jouer Kassada. J'ai bien envie de rentrer ce GP. Mais c'est con d'enlever Swain, non? C'est de la fonte. Après... on peut faire la diff. Alors s'il me rapporte un gold, c'est déjà bien. Faire du mal au streak. Et j'ai tué aucune unité derrière. Il faut absolument que j'ai une armure là. Peut-être. Ok, ça c'est big. Tout garder. Écrit JS. C'est pas où est la case. Enfin, j'aime bien Gunblade. Parce que pour l'instant j'ai aucune front. Mais sérieux être niveau 5 10 gold là? 20 gold.
La Harry, c'est big de ouf. Elle a turbo troll ses castes. C'est un très bon augmente ça pour le coup. Il m'avait paniqué Maloustrick. J'aurais pu avoir une game de fou mais bon. Il me fait éconner point de vie au pire. Oh, la case est légendaire. Okay. Nice, perfect loss. Celle-là c'est cool de la prendre. Et je pense qu'il me faut une armure là. En prio. Faut que Morgana soit tanky. Non, Spellcrit Harry était ok, mais... Peut-être un rôle. Ouais. Temps de gagner ce round. Ok, on peut le jouer pour un tour. Des dingueries, hein. Ces items sont tous parfaits. Hein. Les Ico, on dirait, ils jouent Pandora là, tellement ces items sont pixels.
Attends, comment ça il a une Jinx? Merci Staraf, merci pour les 1 an d'abonnement. Nice, la tire est légendaire. Ok, mes items sont pixel. Ok, nice. Ok, on peut avancer. Parfait. Stone plates. Redemption. Et je pense qu'on va faire QSS en last. Et on va faire un item Harry avec l'arc. On est trop bien. Là on est trop bien pour le coup. Le spot est légendaire de ouf. Pourquoi je lag comme ça? J'ai chute d'FPS. Bah, je pense qu'on va cut le 4RK, on va mettre Syndicate. Mais ça c'est une Orianna. Y a plus aucun arcaniste qui va rester en fait. Arcaniste, ça a de la value mais c'est pas ouf quoi. Parce qu'on a archange. On a juste envie que les fights durent longtemps. Donc à terme ça va pas rester je pense. On veut rentrer scolaire. Je sais pas pourquoi j'ai des chutes d'FPS. A mon avis, c'est le truc MGG là. Je suis pratiquement certain que c'est ça, mais. Je vais le supprimer, je vais voir si ça s'améliore mais... Ok. C'est Ginzo hein. Une baguette en tout cas. On peut soit Ginzo Lulu, soit Ginzo Harry. Je pense que Ginzo Lulu c'est toxique de ouf.
plus trop envie de faire des rounds. Et ça c'est légendaire. Je pense que je vais tanker. On va attendre, je vais rien slam. Ça peut être bien d'opti les derniers items. Le dos social est vraiment big ici. C'est nul, ça c'est bien. Comme ça. On a peut-être Morello ou quoi sur Renata. Ça peut être bien. Faire peut-être encore un roll. On a un Braum. On a Zira aussi. Je sais pas ce qu'on veut entre Braum et Zira. Je pense que Braum servira pas à grand chose. Zira peut aller stun les backlines. Mais Cassandre, sérieusement, genre, c'est quoi son... sa game de fou, genre. Juré, il tue pas ma Morgana. Hein. Avec sa civière fatiguée là. Oh le perfect. C'est que je peux encore slam des items. On a GS spell crit. Ginzouilleur. Non, on a l'astuce Burgen Blade. Ça va être GS Spellcrit. Spellcrit ici. GS ici. Oh, Kedzer, sérieusement, t'as quel âge? Shroud, Zephyr, après il a... ok. Son augmente. Je lui ai pété la gueule, il a rien tué. C'est légendaire. Nice Zephyr. Victor, ça peut être big, mais... oh, Harry veut pas passer de... je suis obligé de garder Victor. Ah, il va grab ma Harry. Ah, sérieux, c'est trop chiant. Le pire c'est que ça va peut-être pas, ça va pas forcément le faire gagner.
Non, vas-y, c'est trop, mec. C'est trop ce que je me prends, là. C'est trop. On est 8 en vie, ils se positionnent que pour moi, là. C'est grave, frère. Putain. J'ai pas eu d'Oriana non plus. Lui aussi il va me Zephyr. Il y a encore un Zephyr. Ils sont tous sur la... Ils sont tous en train de me target Zephyr là. Ah. On va voir si je perds contre un mutant. Vraiment pas. Hein. Cassandre, il est vraiment bottom avec ça. What the fuck? Les chutes d'FPS venaient bien du truc qu'ils m'ont demandé de mettre sur l'overlay. Mais c'est pas Tarka, hein. Pas incroyable, mais c'est mieux que rien. Alors, Silio, il y a un grab. Je fais rien, hein. Tant pis, hein, il va grab ma Séraphine, mais bon. Alors, c'est le moment où on va voir si une Kai'Sa me bat, mais je pense que oui. Ah. Non, je crois que je gagne contre Kai'Sa 2, non. Ah. On a trouvé le counter. Ange dentaire supérieur à Kai'Sa. Il y a trop, hein, je vous ai dit, hein, quand il n'y a aucune unité qui meurt, Kai'Sa elle galère. Hein. Every step I
Ça manque juste un truc là, cette lentille, mais... Ouais, lui, il peut rien faire. Hein. Body Night Jinx. Il va grab la case en boucle. On peut tenter un truc. On peut rester sur la case. Et à ce moment-là... On grab le blitz. On shroud le blitz. Comme ça, il cast à la fin du Zephyr. Ça peut marcher, hein. Contre lui, il va falloir Morgana 3. Hein. Bon, il a trouvé Jinx. On n'est pas loin. Je pense que Morgana 3 ça passe. La trappe l'eau. Hein. Ok. Il allait trop. Avec Morgana 3, je pense qu'il me battait pas. Je pense que Morgana 3, il la passait pas. En fait, tout repose sur Morgana. Si Morgana meurt, il n'y a plus rien. Je vous assure que si Morgana tient, il tue aucune unité. 100% avec Morgana 3, je suis certain que je top 1 la game. Je sais que c'est un bon match-up pour moi. Est-ce qu'on garde les mêmes lobbies ou pas? En tout cas, j'ai sorti la Kai'Sa 2.